à tous, mes minettes. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Binding of Undertale Afterbirth version 3.4 pour une toute nouvelle run. La dernière fois, nous avions joué Azriel, l'immortel, comme dans le titre. Car j'avais dit qu'il était vraiment pété. Hein. Il commence à exonner les pentagrammes, rien déjà que ça pour commencer une run. C'est déjà très bien, oui. Et maintenant, nous allons jouer le super. Je sais pas si c'est Gluette super. Enfin, on va jouer le super Papalos. Et toujours en hard, évidemment. Papalos, il est sympa aussi. Il commence avec un cœur de moins qu'Azriel. Et il commence surtout avec le Death Touch. Qui est un item bon, très bon. Il donne du damage up, il donne des penetrative shots. Et rien d'autre. Et c'est déjà pas mal, hein, franchement. Un personnage qui commence avec des penetrative shots et du damage up en un seul item. C'est... voilà, c'est toute la caractéristique de Papyrus. Voyons Papyrus. Donc, évidemment, il a... Ah oui, en fait, il a beaucoup de range, d'après ce que je vois. Pas tellement. Bizarre. En voyant ses stats, j'aurais cru, oula, je vais peut-être éviter. Tout comme son frère sans me faire tuer assez rapidement. Parce que la dernière fois, j'étais mort prématurément avec Sense. J'avais plusieurs vies. Malgré moi. Je les aime pas, eux. Dégagez. Dégarpissez. Voilà, ça c'est fait. Une petite bombe pour... Ah oui, des bombes, plus des bombes. Et un Soul Heart. Tout ce que j'aime. Allez. On tue ce beau petit monde. On va exploser ça parce que bon, des bombes en plus, ça se refuse pas. Hein. Évidemment. Donc 3 clés, 3 bombes. Aucune pièce, mais bon, les pièces on s'en tape un petit peu pour le moment. Oh, bon, ok, je sais qu'on commence avec un item de pacte très bien dès le départ, mais c'est pas non plus la peine de nous donner des objets aussi merdiques. Je veux dire, ouais, si ça peut m'éviter de me prendre des dommages. Ok, mais dans certains cas, ça pourra que me mettre des dommages. Ah oui, d'accord. Penetrative Shot, j'avais oublié, c'est aussi un truc qui n'arrête pas. Bah, par exemple, les Troll Bombs, comme vous pouviez le voir. Je sais pas si ça fait quelque chose avec... Ah si. Pendant un instant, j'ai sous-estimé la capacité du jeu Afterbirth, enfin, du DLC de Rebirth. Ça a grossi les os, plutôt sympa. Bon là, jusqu'à ce moment-là... L'item que j'ai pris m'est très utile, puisque le boss pour le moment ne va pas vers moi, il va seulement vers mon punching bug. Ce qui est très bien. T'es un peu loin pour me tirer dessus en fait. Je t'explique. Un tears up, génial. Oui. Par contre je remarque vraiment qu'on ne tire pas loin en fait. Ça se remarque beaucoup en fait. Je ne vois pas ma map. Il y a un Owen Dog qui dort dessus. On va le laisser dormir sur ma map. Hein. Pas comme si ça allait nous tuer. On ne sait pas. Ce genre de curse, non, en général, ça ne nous tue pas. Pas vraiment, sauf si on est obligé de repasser dans certaines salles par manque de mémoire. Et certaines salles peuvent vraiment être casse-tête. Enfin, pas casse-tête, mais plutôt casse-pied en fait. Voilà, on a usé une clé, une bombe pour avoir des pièces, une clé, une bombe. Tout ça pour éviter d'avoir de la vie. Parce qu'on aurait très bien pu avoir des cœurs rouges. En tout cas, niveau consommable, on en a. On n'en a pas une infinité non plus, mais on en a.
comme si nous n'en avions pas beaucoup. Ah, le cup, ça se prend. Avant, je pense que c'était 15 pièces pour les Le Cup, mais maintenant je remarque que le Le Cup il se gagne de manière aléatoire. T'as une chance et quelques d'avoir le Le Cup quand tu prends une pièce. Et là en l'occurrence, une pièce. Un dime, c'est un nickel ou un dime ça? Je me souviens plus. Enfin bref, on a reçu une belle pièce. Intéressant. Ouais, intéressant. C'est qu'à de le dire. Par contre, ouais, nos dégâts sont à 1. C'est tout à fait normal. Ah, mais nos dégâts sont potables. Hein. Les ennemis meurent assez rapidement. Puis cette cadence de tir hein, est juste magique. It's magic. Ouais, et puis niveau puissance, on n'est pas si bas que ça. On va prendre ça, et en objet de barre espace, on va prendre la bougie, car bah, je n'ai pas d'objet de barre espace. Ce serait bête de s'en priver. Et, bah, voilà, iFood Pills, nous avons une petite pilule bas. Pour commencer. Ce qui est bien. J'ai pris seul milk parce que, avoir les larmes... les larmes en forme de faux ou plutôt en forme d'os dans ce mode là, avoir le comment ça s'appelle déjà Death Touch en arme principale pour les larmes, c'est très intéressant avec le Soul Milk. Voilà, je me perds un peu dans les noms d'items, je pense que vous avez remarqué, c'est pas très grave. Évidemment, vous savez pourquoi j'utilise pas The Sun dans cet étage. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. L'indice est en forme de chien. Voilà. Pas à chercher bien loin en fait. Au final, Monstro est mort assez rapidement. Je suis pas mécontent des dégâts qu'on est en train d'avoir là. Lemon Party. Ouais, tant que c'est pas des piles du style. Bon, ça va. Burr. Range down. Déjà qu'on n'avait pas une très bonne range, bah alors là. C'est quoi ce truc? Wait. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Hein? Ah d'accord, ouais. Ah, c'est une bonne idée. Oh, géant. Ah oui, ça donne ça met des feuilles par terre, c'est pas mal ça. Ouais, mais ça aurait pu être mieux, dommage. Pour que ça soit un beau combo avec cet objet là, faut voler. Et dans mon cas, bah, je ne vole pas. Ou alors faut être rapide. Waouh. Ces dégâts. Pareil, hein, je suis bien content d'avoir pris cet item de barre espace également. Vu qu'on a la blende de clé, on va passer par là. Et c'est pas une bonne idée. Je sais plus ce que fait ce dé. Je crois que ça reroll tout. Non, le 1 ça reroll tout, mais je crois que ça reroll tous les objets qu'on a sur nous et les piédestaux. Donc dans le doute, je ne vais pas m'amuser à essayer. Ok, ça c'est fait. Oula. Je vais détruire cette salle. Non seulement je vois que j'ai pas pris le bon chemin, mais en plus, je découvre une salle secrète. Non loin de là. Ce meurtre était totalement rentable. Franchement, c'est super. Par contre, ceux-là vont mettre un peu de temps
a décédé. Voilà. Quand je dis un peu de temps, j'exagère pas. Allez, il faut mourir. Voilà. Oula. C'est dangereux par ici. Ok. Là aussi, un objet... somme toute très utile hein. Ah non c'est ok, ça reroll les ennemis, ça pourrait être intéressant mais j'ai pas envie parce que ça peut aussi être une purge, parce que ça peut vous voyez, les ennemis de cet étage peuvent se transformer par exemple en ennemis de Zoombe. C'est pas une très bonne idée. Par contre, utiliser ça dans Zoom, ça peut transformer les ennemis en des ennemis beaucoup moins coriaces. Donc là, à cette étape du jeu, ça peut être intéressant de prendre le D10. Ça peut. C'est pas toujours convaincant. Ah, les runes. Les runes sont mes amis. Surtout la purity. On va pas l'utiliser dans cet étage hein, parce qu'il n'y a pas de curse. Ce serait bête de l'utiliser ici. On n'a pas été en boutique. Est-ce qu'on y va? Bah allez, on a plein de pièces. Oh, génial. Bon, qu'est-ce qu'il va y avoir pour attraper ma bêtise? La Black Candle, ça me semble très intéressant. Vraiment. Yay. Aujourd'hui, tuer les Temmis, ça rapporte, hein, franchement. Je dis ça d'une manière... Enfin, je dis ça d'une manière plutôt gênante, donc je m'excuse. Envers tous les Temmis que j'aurais assassinés depuis le début de ce let's play. Mais bon, Undertale vient de passer dans le monde d'Isaac et là ça devient juste un carnage. Non, bah, y avait pas moyen que j'évite ce dégât. Dommage pour moi. Décidément, niveau dégâts, la flamme elle en fait de la blende. Bon, bah mon cœur noir aura permis de finir Pipe. Il me dédommage d'un cœur d'argent, ce qui est normal hein, vu qu'il était dans une autre, il était d'une autre couleur. Et finissons l'étage. Mon espoir pour cette partie commence à faiblir, mais bon, je tiens quand même à continuer. Et puis nous avons reçu un range up pour compenser le range down que nous avons reçu en pile. Ça va peut-être nous aider. Ou pas. Ce serait astucieux de faire péter ces trucs à des endroits. Bah, on a déjà fait péter beaucoup de trucs là. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Deux soul art, un le cup. Et attention, attention, qu'y a-t-il? Tears Up, yay! Je sais pas si le Tears Up va fonctionner, étant donné que ma Tears est déjà, je pense, au maximum. C'est toujours le cas quand on prend Soul Milk, même si j'ai l'impression de tirer un peu plus vite. Bon, je dis ça, mais je suis pas un Super Saiyan pour voir les frames changeantes. C'est intéressant. Ou presque. Ah, ça c'est bien. Bon, Pipe, sois plus sympa, s'il te plaît.
Voilà. Pip, au revoir. Tube, mon copain que je n'aime pas. Je suis pas un très grand fan des chenilles. Même si j'en ai pas peur. Simon ou Chub ne va pas dans les endroits à risquer danger. J'ai perdu de la vie dans cette opération. C'est dommage. Hein? Oh, je me suis fait eu. Mince. Les gars, je suis par là. La même partie, ça pourrait être très utile. Sauf dans ce genre de salle, évidemment. Où les ennemis vont mourir assez rapidement. Alignez-vous tous, ce sera plus facile. Bah dis donc, t'en aurais mis du temps pour décéder. Vous êtes perdu? Vous étiez pas censé être avec Muffet? Ok, lui, il meurt. Je sais pas si c'est dans de l'atroce souffrance, mais en tout cas, il est mort. The Fool. D'accord. Alors d'abord que j'utilise mon Lemon Party. D'accord. Donc il s'est rien passé. Une salle où on aurait pu combattre le péché de la colère. Parce que oui, être en colère est un péché. On dirait. Du moins dans ce jeu. La colère est plus une émotion qu'autre chose. Après je dis pas qu'être en colère dans la vie vous aidera tous les jours, hein. C'est même pas très très conseillé d'être souvent colérique. C'est pas très bon pour la santé, vous voyez. On n'a pas eu l'objet de l'étage, donc ce serait dommage de faire le boss tout de suite. Sans voir quel item merveilleux nous attend dans la prochaine salle dorée. Évidemment, ils font spawner des trucs du chouette. Bon, j'avoue que je suis pas très content d'avoir perdu un cœur contre cet ennemi. Un cœur entier d'ailleurs, au passage. Mais il me dédommage en m'ouvrant une seule secrète. Donc c'est bien. Voilà, c'est bien. Ah, et pas une petite salle secrète en plus. Ah, je pensais que c'était la main en os. Bon, c'est pas une petite salle secrète, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant à l'intérieur. Hormis des pesos, beaucoup de pesos. Ici, bouffe. Je pourrais éviter de me prendre des dégâts, please. Parce que là, niveau vie, je suis pas très serein. Ah, waouh. That item. Je commence vraiment à perdre espoir pour la run. Je crois que le titre, ça va être Papa Iris, le malchanceux. Parce qu'en même temps, dans sa vie, il a pas été très chanceux, Papa Iris. Hop.
Eh bien ici, il s'en prend du dégât fatigué. C'est quoi ce truc? Attaque HP up. Ah, c'est pas le mythe. Je pense que c'est le mythe. Et j'ai toujours pas de pacte. Comme c'est bizarre. Comme c'est étrange. Bon bah c'est pas grave. Rentrons dans Waterfall. Ok. Je sais pas si ça vaut. Non, ça valait pas le coup du tout de faire cette arène. Voilà, en plus on se prend des dommages gratuitement. C'est la folie, c'est la fête. On va faire une arène complètement. Oh là, je suis jerk. Je suis Baka. Je suis tout ce que vous voulez. Ah, j'ai voulu tenter le diable. Bah, je me prépare à affronter l'enfer. C'est une blague là, je touche aucun d'entre vous. Au final, j'ai perdu un demi-cœur. Ça aurait pu être pire. Genre, je prends un cœur sur Holo. Enfin, The Holo. C'est. J'ai plus de respect envers moi-même. C'est comment ça se passe? Un boss aussi simple que lui a réussi à me toucher. Décidément. Tout me surprendra dans ce jeu. A commencer par ces vagins sur pattes. Qui veulent ma mort. Les vagins qui tirent des lasers, ça peut forcément être que le vagin de Mom. En plusieurs exemplaires, modifiés génétiquement. Je sais pas dans quoi je dérape là, mais c'est un peu glauque. Enfin, un peu. Je crois que même le mot un peu, c'est exagéré. Cette situation est bizarre. Je vais pas mourir. Non, ça va, je vais pas mourir. Sauf que... Ouais, on a reçu des cœurs. Dans la salle de l'arène, c'est pas pour rien. Hein. N'est-ce pas? Ce serait bête de pas les utiliser. Et puis maintenant, hein, vu que nous avons perdu la vie en cœur rouge, nous allons... les utiliser pour entrer en Curse Room et rien à voir. C'est cool. Et dans cette salle, rien de spécial à part des cerveaux, enfin des morceaux de cerveau qui traînent par terre. Parce que les cerveaux, eux, se trouvent dans The Womb. Ouais, ouais, des cerveaux qui se baladent dans le vagin de maman. Rien de tel de finir, rien de tel que de finir en beauté un épisode fail que d'être tué par les Master Flower. D'accord, c'est vraiment Papyrus n'a pas de chance dans sa vie, c'est officiel. Donc la run est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si elle vous a plu. Comme pour censer me fait, c'est un fail. C'est un fait, je sais. Mais c'est comme ça. Donc n'hésitez pas également à pousser pour me soutenir et à partager le contenu que vous avez visionné autour de vous. Sur ce, je vous laisse et à plus pour une nouvelle prochaine vidéo. Ciao mes minous. Et encore Floé qui se met à me tirer la langue, ce fumier. Hein ?